Bonjour! Là, maintenant, il n'y a pas de dispute pour c'est pas, c'est pas allô, c'est bonjour. Oui, mais coucou, mais là, au moins, c'est un et l'autre. Ben oui. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que nous espérons que vous allez tous bien. Ouais. Que vous êtes en forme et que vous pouvez, comme nous, ici, prendre l'air. Alors ici, on est à Longueuil, au parc Michel Chartrand. Mm-hmm. Vous avez vu, on vous a montré un petit peu quelques images avant de commencer. Voilà, regardez si c'est un beau paysage. Hein. On est vraiment bien ici. On va marcher un petit peu. Oui, on va marcher. Ah oui, on en profite parce que il paraît que chez vous, je ne sais pas si vous êtes tous en France. Non, pas, ils ne sont pas tous en France, mais en tout cas... En France, on sait, dans le sud de la France, il fait très chaud encore. Il fait très chaud, oui, oui. Ma belle-mère a dit qu'il faisait 37 degrés. Oui, alors là, il y a le bruit peut-être d'une tondeuse à gazon, petite tondeuse. C'est pas une petite tondeuse, hein? Ben, il fait 37, nous, il fait 17 degrés. Ben, vous voyez, on est bien. 17 degrés en ce moment ici. Mais il fait beau, il fait quand même beau. Voilà. C'est agréable. Ben, en fait, c'est l'air qui est à 17, mais au soleil, c'est certainement, on ressent plus que 20, 25, là, peut-être, là. On est bien. On va avancer. C'est sûr qu'on va peut-être passer à côté de la tondeuse. À moins qu'on s'installe par ici, mais on va la voir, la tondeuse, tout le temps, tant qu'il n'aura pas fini. On va aller à notre On va aller au lac là-bas? Oui. Le dernier lac, le troisième lac? Oui. OK. On va marcher un peu. On va marcher un petit peu, puis on va aller s'installer quelque part pour passer en revue les questions du jour. Il est en train de nous... Hey, je t'ai perdu. Tu me perds. Oh, ça sent bon, hein? Ça sent bon l'herbe coupée. Hein? Ça sent. Voilà, donc... Je voulais dire quelque chose. Oui. On est rendu à 1200 personnes sur Facebook qui sont venues nous rejoindre. Ah, pas oui. 1200 tout d'un coup, là. Sur le groupe Facebook, hein? Oui. Mon Dieu, ça augmente, là, puis... Wow! La tondeuse. Ben, le son, ça devrait être bon parce qu'aujourd'hui, on s'est mis des petits micros. Oui, on a un petit micro ici et là. Vous voyez? Ben, oui. Petit, quand même, assez grand, hein? Mais là, tu fais du bruit. Ah, oh, excusez! Voilà, je te l'arrange. Voilà, c'est ça. Donc, on devrait mieux nous attendre grâce à ces deux petits micros-là. Et ben voilà, on va s'éloigner quand même du bruit. Là, il a fini de tondre ici, hein, je pense. Je pense que oui, mais il m'a tondu. C'est pas bien tondu? Non. Alors, ben c'est ça, on est à Longueuil. Le Québec est beau. Hein. On est arrivé ici, là, quand on a vu les bernaches au bord du lac, on a dit, waouh, c'est vraiment beau. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu. Ouais. C'est un endroit magnifique. Et là, on se dirige vers un endroit, dernier lac, le troisième lac, où j'avais fait une photo il y a très longtemps, je dirais, peut-être on est en 2020, en 2003. Ah oui, mon Dieu, ça fait longtemps. Et j'avais fait un tableau. Le tableau, je l'ai peint en 2003. La photo, je l'avais peut-être faite bien avant. C'était un paysage d'hiver, un immense 36 par 48 pouces. C'est quand même grand. Et ce tableau, il était donc affiché à l'atelier. Je vous mets la photo, là, tiens, la photo du tableau. Je l'avais fait la photo en hiver, bien entendu, et puis ce tableau avait beaucoup, beaucoup plu. Oh, le grand bleu, là. Oui, le grand avec beaucoup de bleu. Mais avec beaucoup de bleu. Oui, c'est ça. Donc, c'est là où on se dirige actuellement. Mais c'est sûr, là, l'endroit a beaucoup changé, et puis c'est l'été en plus, là, donc c'est différent. Et aujourd'hui, on a fait quelque chose de spécial aussi. On était remettre les clés. Oui. De notre atelier, ancien atelier. Oui, c'est ça. On a... Maintenant, c'est définitif. Oh, il n'y retourne plus. Voilà, ben c'est ça. En fait, notre bail, il court jusqu'à la fin du mois de septembre. Mais comme on s'en va, et moi en Gaspésie, puis on va être très occupé au retour, on ne voudrait pas avoir à revenir encore à Longueuil pour porter les clés. De toute façon, on n'y allait plus du tout. Il n'y a plus du tout de courrier. Donc, on a remis les clés. Officiellement. On est seulement avec vous. Voilà, on n'est plus qu'avec vous. En ligne seulement, et le présentiel à Longueuil est terminé, complètement terminé. Mm. On va aller au bout là-bas, on va faire un petit panorama vidéo. Mm-hmm. Alors là, je pense que vous avez aussi, avant qu'on commence à parler, les images que j'ai mises et ce qu'on va voir là, vous allez avoir certainement des belles images à des prendre. Captures d'écran à faire pour faire des peintures et des tableaux. Et on va faire juste, alors, puisqu'on est en train de parler avant de passer aux questions, c'est ça, vous dire que oui, effectivement, sur le groupe Facebook, il y a énormément de beaux tableaux, c'est magnifique, tout ce que vous mettez. Hey, il y en a, je dis, c'est extraordinaire. Ils sont déjà talentueux, ils n'ont pas besoin de cours. Ils sont meilleurs que nous. Oui, il y en a, là, wow. Et l'autre chose, c'est une petite annonce. Oui. Nous allons faire bientôt, alors ceux qui ont laissé leurs adresses e-mail, on va y aller. Oui.
ceux qui ont laissé leurs adresses e-mail donc dans nos, on va dire, nos, dans notre site internet, vous avez reçu des courriels, déjà un courriel, qui annonce qu'il va y avoir un spécial de la rentrée. Peut-être on va aller en bas là. Un spécial de la rentrée le 1er septembre. Tous les cours du catalogue vont être à 50% de rabais. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit sur nos listes d'envoi, faites-le vite, parce que vous allez recevoir les emails avec les liens pour aller profiter de ce rabais spécial. 50% de rabais sur tous les cours du catalogue à partir du 1er septembre, mais seulement pendant 72 heures. Mm-hmm. Écrivez à contact@milonarachademy.com. si vous voulez qu'on vous rajoute dans nos listes d'envoi. Voilà. Alors, un petit coup d'œil sur le lac. Je vous montre ça comme ça. Regardez. Waouh. C'est beau quand même, hein, la nature. Mmh. C'est vert, mais plusieurs couleurs de vert. Tu sais, quand on peint, là, on pense qu'on a seulement une couleur. Tu sais, comme une couleur de rouge, une couleur de vert. Mais on ne s'imagine pas que quand on commence à peindre, on a plusieurs tons. Il y a énormément de verts, oui, et puis on a des bruns aussi, si on regarde à la base des roseaux. Oui. Et les reflets dans l'eau, hein, aussi, ouais, c'est vraiment maintenant, beau. Maintenant, moi, tu sais, quand je regarde, je ne vois plus la nature comme je la voyais avant, quand je pêche. Tu nous suis, pas, hein? Oui, quand je faisais pas de peinture. Maintenant, je regarde, là, tout partout, je dis, bon, ça, je le ferais comme ça, je mettrais plus de foncé, plus de clair, et je suis fatigué à lui. Ouais, c'est ça. Alors, fatigant, par chez nous, ça veut dire quoi? Fatigant, c'est il vient nous embêter. Hein? Emmerdant! Bon, on va laisser partir là et on va répondre aux questions. OK, c'est bon? OK, à tout de suite. On est mieux là? Ah ouais. Oui, on est mieux, on est assis maintenant. Et puis là, ça y est, la tondeuse est partie loin. Ben, il n'avait pas mal à faire, hein? Mon Dieu, il n'avait. En tout cas, c'est un grand parc ici. Puis un jour vous avez la chance de venir ici au Canada, je vous le conseille, c'est très beau. Oui. Puis il y a beaucoup de monde. Au Québec, ben, c'est un parc urbain hein, quand même. On est au milieu de la ville de Longueuil, mais c'est quand même très grand. Il y a trois lacs. Vous avez vu quand même, il y a les bernaches qui sont là, elles n'ont pas peur, elles se laissent approcher facilement. Et ici, il y a aussi beaucoup de chevreuils. Quand on venait avant, c'est plus en soirée. En soirée, on les voit traverser les chemins. Il y a même des gens qui leur donnent à manger à la main. Il y a aussi des gens qui donnent à manger à la main aux mésanges à tête noire. Il y en a beaucoup ici aussi. Ah oui, c'est vrai, en hiver, on était venus. J'avais jamais fait ça. René surtout dit, l'hiver, oui. Oui, mais mets-toi du manger ici, bon, venez. C'est vrai, c'est tout cute, là. Hein. C'est, et voilà. C'est joli, c'est cute. Oui, c'est il y en a un qui dit, il voudrait apprendre plus d'expression de nous. Ah oui, mais la mauvaise expression que vous avez, c'est tabarnak. Oui. C'est pas beau, c'est pas un beau. C'est comme dire putain de merde. Oh, faut pas dire ça. Ben, c'est ça, c'est pas beau. Oui, c'est un très gros mot ici. Oui, il y en a beaucoup qui vont. C'est sûr qu'il y en a qui le disent malheureusement régulièrement, mais c'est vulgaire. C'est une personne. La personne a vraiment donne l'impression d'une personne vulgaire. Alors, c'est sûr que. On va dire qu'on est vraiment choqué, là. Ouais, il vaut choqué, mieux. Ça veut dire enragé. Oui, c'est ça. Tu dis que vraiment, quand tu t'es pris le coup de marteau sur le doigt, là, tu dis oui, tabar. Oui. Mais on arrête, tu sais, on dit tabar, puis on arrête là, ou bien tabarnouche. Non, maintenant, on dit nous autres beurre de pinot. Oui, beurre de pinot. Voilà. Mais venez, je vais vous en dire des bonnes expressions ici. Mais en privé, on va vous les dire en privé en seulement. En privé, oui. OK, on va commencer parce qu'on a quand même 12 questions. 12 questions. Je n'avais beaucoup, chérie. Je n'avais quand même une vingtaine passées. Oui. J'ai dû les diviser. Fait que c'est sûr, j'ai pris les plus récentes, les autres vont suivre après, inquiétez-vous pas. Tu les as splittées donc? Oui, je les ai splittées. Splittées, ça se dit? Ben non, ça se dit pas, mais c'est de l'anglais, c'est de l'anglais. Splitté. Mais c'est ça. Puis les prochaines, on va essayer de faire ça comme vendredi ou samedi, on verra. OK, on va commencer avec Christian Deschaines. Ma question est comment effacer une toile qui est peinte à l'huile pour faire une toile à l'huile? Vous avez déjà parlé que vous passez au papier sablé avec quel numéro de papier sablé? Est-ce que ça s'enlève toute la peinture? Oui, ben justement, j'ai fait un tournage pour ça, là, exactement. Mm-hmm. Comment recycler une toile qui a été peinte à l'huile pour pouvoir y repeindre dessus
soit à l'huile, même à l'acrylique, on peut peindre dessus à l'acrylique. Oui, effectivement, donc il faut passer la poncée ou la sablée, selon que vous êtes en France ou au Québec. Le papier à utiliser, ben, c'est sûr, il faut y aller avec du mince. On peut commencer avec du gros, du rough, comme on dit, si vous avez vraiment épais de peinture, mais ne pas trop appuyer, parce qu'on pourrait aller jusqu'à faire des trous, traverser la toile, surtout si la toile n'est pas de très bonne qualité. Et justement, quand j'ai fait mon petit tournage pour montrer comment en faire, j'ai pris une ponceuse électrique et j'ai fait deux petits trous, deux minuscules trous dans mes toiles, dans ma toile que je voulais recycler. Donc, c'était vraiment pas, donc, pas une toile de très grande qualité aussi. On ne sait plus, hein, quand on a peint le tableau, on ne sait plus comment... quand on recycle une toile, ça veut dire qu'on l'a peinte il y a très longtemps et on ne sait pas si c'était une toile qu'on avait achetée chère ou pas chère, on ne le sait plus. Bon. Donc voilà, on prend du papier sablé, on va sabler jusqu'à obtenir, jusqu'à enlever toute la peinture le plus possible. Oui, le plus, parce que chérie... arriver jusqu'au gesso, mais on ne peut pas l'enlever complètement. Non, c'est ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est pas à la fin ce qui reste, ce n'est pas vraiment de la peinture, mais c'est votre toile qui est teintée. Mmh. Prenez l'exemple, prenez un pinceau en soie de porc tout neuf, vous venez de l'acheter. Vous le trempez dans le bleu outre-mer, vous peignez avec, puis après vous allez le laver dans votre solvant, votre diluant à peinture, vous le lavez bien comme il faut et il reste encore bleu. Après vous le passez au savon, vous allez le passer au savon, à l'eau, et il va rester bleu. Mais il n'y a plus de peinture dessus, c'est que les poils se sont teints, ça a été teinté. La toile c'est du coton, le coton se teint aussi, ça peut très bien se teindre. Seules les toiles, les fibres synthétiques, polymères ou autres n'accepteront pas la teinture, vont vraiment se nettoyer comme il faut, mais pas ce qui est en coton. Donc la toile va rester un peu colorée, mais ça n'est plus de la peinture à l'huile qui va vous gêner. Vous allez voir qu'il va rester des petits points de peinture seulement, de couleur, on va dire de couleur, mais le reste, vous êtes arrivé vraiment à votre toile, puis même, c'est même plus le gesso qu'on voit, c'est vraiment la toile de coton brut. Mm-hmm. À ce moment-là, c'est là où vous allez pouvoir appliquer à nouveau deux couches de gesso, sabler entre les couches, même encore peut-être deux couches. Quatre, c'est bien quatre couches. Hein. Oui. Et là, vous allez sabler encore pour rendre votre toile assez lisse. Vous avez un super beau support pour retravailler soit à l'huile, soit à l'acrylique. Voilà. Parce qu'à partir du moment où votre fond de toile n'est plus gras, vous avez retiré la peinture à l'huile, il n'y a plus de gras, donc le gesso va pouvoir adhérer facilement puis va vraiment faire tenir votre peinture. OK, on continue avec notre Jean-François National. Jean-François. Jean-François Desremonts. Excuse-moi, Jean-François. J'ai une question. Je peins souvent à l'acrylique. Quel est le ralentisseur de séchage le plus efficace pour les peintures acryliques? Le ralentisseur de séchage le plus efficace. Moi, honnêtement, je vous dirais, j'en ai jamais beaucoup utilisé, si ce n'est le retardeur de séchage qu'on trouve généralement chez Liquitex. Je pense que c'est lui que j'ai utilisé. Il est transparent, il est très liquide. Je sais qu'il y en a eu, il y en a d'autres qui sont sortis par après. Il y a des gels aussi maintenant, tout ça. Mais j'en ai tellement, tellement peu utilisé que j'en ai encore même de mon premier achat. Voilà. Puisque c'est vrai que maintenant, la plupart du temps que je peins à l'acrylique et que je souhaite que ça sèche lentement, j'utilise la peinture Golden Open qui sèche très lentement, beaucoup plus lentement qu'une peinture acrylique ordinaire avec du retardeur de séchage. Voilà. Donc, le retardeur de séchage, c'est ce qui est le plus efficace pour retarder le séchage, mais ce n'est pas si efficace que ça. Ça reste quand même un séchage très rapide. Je regarde un monsieur passer avec sa madame. C'est émouvant. Ah oui, hein? C'est un monsieur qui promène sa femme. Je crois que c'est sa femme. Un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant, mais elle a l'air vraiment handicapée. Là, puis c'est wow. Pfff. OK. On continue avec Marie de Oliveira. Est-ce possible de faire un tableau en plusieurs couches uniquement avec du médium alkyde sans tenir compte du gras sommeil? Oui, on en a déjà parlé, oui, absolument. À partir du moment où vous peignez à l'alkyde, c'est du début jusqu'à la fin, puis il n'y a pas de gras sur maigre. L'alkyde sèche tellement vite qu'on n'est plus tenu de respecter le gras sur maigre, qui est un séchage lent par oxydation de l'huile de lin. Mais là, c'est l'alkyde qui sèche par évaporation, donc terminer le gras sur maigre, on est à l'alkyde du début jusqu'à la fin. OK, il y a une deuxième question. Deuxième question. Oui. Connaissez-vous le médium à séchage rapide de la peinture française? Et qu'en pensez-vous? Le médium à séchage rapide de la peinture française, je ne connais pas. Peut-être faudrait me donner la marque exactement. Ouais. Je sais qu'il y a des médiums à peindre. À séchage rapide, j'ai vu ça. Attendez, oui, je pense que c'est le Frambourgeois. C'est un médium qui contient...
un produit pour accélérer le séchage, donc peut-être de l'alkyde, peut-être un peu de vernis, je ne sais pas, mais non, je n'ai jamais utilisé ce produit-là. Il faut les essayer, vous savez, les produits, si vous l'avez acheté, il est dans votre coffre, et vous posez des questions, ben faites des tests sur des toiles, des morceaux de toile, ou même s'il le faut sur de la toile cartonnée, sur du papier, ce que vous voulez. Faites des tests, essayez votre peinture avec rien dedans, votre peinture avec votre médium habituel, votre peinture avec l'alkyde si vous en avez, votre peinture avec ce médium-là si vous en avez aussi. Et faites des tests, mettez-en, et puis là, vous allez voir tous les jours, tous les matins, quand vous levez, prenez un café, puis vous allez voir si ça a séché ou non. Il est revenu. La tondeuse est de retour. Donc, on continue avec Mary Vardanian. Pourquoi les peintures sèchent-elles tard? Est-ce que c'est normal? Probablement, si c'est alors, si l'huile. Ça sèche lentement, ça sèche tard, ça veut dire lentement, c'est que c'est la peinture à l'huile. Mm-hmm. Alors, pourquoi ça sèche lentement? Je vais répondre à la question. Le séchage de la peinture à l'huile n'est pas un séchage par évaporation, c'est un séchage par oxydation de l'huile de lin qui est contenue dans la peinture. Ça peut être aussi d'autres huiles comme le yet, le cartam, la noix ou autre. Mais donc ces huiles-là, généralement, avant d'être intégrées à la peinture dans le tube ou par vous lorsque vous en ajoutez, ce sont des huiles qui sont raffinées, qui ont déjà, on va dire, en partie commencé un petit peu à sécher. Et ces huiles-là, lorsque après vous allez les utiliser, elles vont sécher lentement par oxydation au contact de l'oxygène. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'oxygène, elles ne sécheront pas. C'est vraiment avec l'oxygène qu'elles vont sécher. Donc lentement, on va parler de toute une épaisseur de peinture. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an pour sécher complètement. Sec en surface, généralement, c'est à peu près une semaine. Voilà. Puis après ça, ça peut aller jusqu'à 1 an dans toute l'épaisseur, selon l'épaisseur. Mais certains pigments, certaines peintures vont sécher plus vite que d'autres. Et là, c'est en raison vraiment du pigment. Donc tous les terres, ocre jaune, terre de sienne brûlée, terre de sienne, terre de d'ombre naturelle, terre d'ombre brûlée. Il y en a sûrement d'autres que j'oublie. Terre de sienne naturelle aussi. Il y a les ocres rouges aussi. Tous les ocres, tout ce qui est terre va sécher beaucoup plus vite. Dans les couleurs, il y en a qui sèchent plus vite que d'autres. Le bleu outre-mer aussi sèche plus vite. Prenez le jaune. Les jaunes, généralement, les blancs vont sécher très lentement. Voyez, donc ça va dépendre aussi des pigments et ça vous fait des temps de séchage très différents selon le pigment, l'huile utilisée, le médium utilisé et l'épaisseur sur la toile. Tout ça, c'est très très différent. Et en plus de ça, selon l'endroit où vous faites sécher votre toile, comme nous, chez nous, là dans le sous-sol, je me suis aperçu que, mon Dieu, c'était très long à sécher. Maintenant, quand j'ai peint sur un tableau, ben, je le monte en haut, dans le salon, dans la cuisine, dans le bureau. Et là, ça va sécher beaucoup plus vite qu'en bas parce qu'en bas, c'est plus humide. Et il y a moins de circulation d'air, il y a moins d'oxygène, donc c'est pour ça que je risque même de m'asphyxier lorsque je peins en bas. Je pourrais m'asphyxier s'il n'y a pas d'oxygène. Hein. Ah, j'aurais dû faire le bouche à bouche. Encore? Mais tu sais, tu dis un petit peu partout tes toiles. C'est vrai, hein? Il prend de la place avec ses toiles. Moi, il y en a une qui me dit, « Wow, elle est belle ta toile, c'était quoi donc? » En tout cas, c'est... savez-vous, je l'ai mis dans la salle de bain en bas, dans le sous-sol. Ben oui. J'ai plus de place sur les murs, il prend toute la place. OK. Mais tu sais, Mary, là, a dit pourquoi ça sèche tard. Mais ça peut être aussi si elle a de l'acrylique, ça serait pas normal. Non, on parle de l'huile, on parle de l'huile. Non, mais je te parle, moi. Si je suis quelqu'un qui te oui, c'est ça, alors, dit, mais elle a dit oui, Mary, vous parlez de l'huile, je suppose, sinon il faudrait le préciser, parce que l'acrylique, normalement, ça sèche vite. C'est ça, c'est ça que je voulais dire. Ben moi, si je t'arrive, je te dis Maître René. Oui, Maître, oui. J'aime ça. Tu peux m'appeler Seigneur. Non. Votre Altesse aussi. Mon petit Chris. Okay. Ça, c'est dans l'intimité, ça. Oui. OK, on continue avec Annick. René, pour faire un tableau à l'huile avec plusieurs couches, peut-on utiliser du médium à séchage rapide, le nouveau Cobra? À chaque couche. Oh, Cobra, oui, ça c'est la peinture soluble à l'eau, miscible à l'eau. Oui, bien sûrement que oui. Mm-hmm. Oui, parce que si on est en peinture miscible à l'eau et si vous n'utilisez pas un médium à base d'huile, je ne pense pas qu'on se retrouve avec du gras sur maigre, là, je ne penserai pas. Moi, je vous dirais que, oui, je l'ai vu, c'est peut-être ça, ce médium à séchage rapide dont on parlait tantôt aussi. Mm-hmm. Je l'ai vu, je n'en ai pas, je ne m'en sers pas parce que je n'utilise pas les peintures miscibles à l'eau. J'en ai quelques tubes parce que j'ai voulu faire des essais, des démonstrations.
mais je ne l'utilise pas régulièrement. Donc le mieux dans ce cas-là, c'est d'aller voir sur le site internet de Cobra, c'est sur Windsor & Newton, Cobra. Non, c'est Artisan. Cobra, c'est bon, un peu plus Talence. Qui fait la peinture Cobra? Cobra. Je pense que c'est Talence. Je ne suis pas certain. Windsor & Newton, c'est parce qu'il y en a deux miscibles à l'eau. Enfin, allez voir sur le site et marquez le nom du produit, puis allez voir la fiche descriptive. C'est bien d'aller sur internet, sur ces sites, parce qu'ils vous demandent, ils vous expliquent tout, comment l'utiliser, le temps que ça va mettre pour sécher, est-ce qu'on peut le mélanger à d'autres couleurs, d'autres peintures, d'autres médiums. Tout ça est vraiment expliqué comme il faut. Cobra peinture. Oui, Cobra peinture. Ou alors tu marques Cobra serpent, mais ça ne sera pas la même chose. Peinture. Ben oui, alors regarde sur internet. Cobra peinture à l'huile. Oui, Cobra. Cobra artiste, c'est bon, vas-y, n'importe. Cobra peinture Cobra. Mm-hmm. Je veux savoir la marque. Cobra Royal. C'est Royal Talence, voilà, c'est ça. Cobra c'est Talence, alors que Artisan c'est Windsor & Newton. C'est bizarre, pour l'instant on n'a que ces deux peintures-là, miscibles à l'eau. Mais c'est vraiment très pratique aussi pour les gens qui ont des problèmes avec les diluants, les solvants, tout ça là. Non, ça va sur une question, tu sais, quand tu avais fait des commentaires, sélectionner à prendre la peinture en copiant les tableaux, oui. Les avantages. Oui. Bon. Sandrino. C'est un petit peu long. Je sais bien qu'une passion créative peut naître plus tard dans notre vie et non dans notre jeunesse. Cependant, oui. Je me poserai toujours cette question. Pourquoi je peins après 40 ans, alors que je n'ai jamais fait autrefois? Je me dis, si je peins maintenant, je l'aurais su étant jeune que j'avais du talent en peinture, mais je ne l'ai jamais découvert. Pourtant, à l'école, on l'apprenait. J'aurais dû me perfectionner et je ne l'ai pas fait. C'est ce que je me reproche, parce qu'on fait toujours ce que l'enfant intérieur qui est en nous souhaite ou doué. Alors, pourquoi on ne le fait pas étant enfant? Bonne question. Oui, parce que, ben, vous savez, je pense que c'est... Dans la personnalité de chacun, lorsqu'on est enfant, on a d'autres intérêts, d'autres activités qui nous plaisent. Et la peinture, c'est quand même une activité calme, relaxante, tranquille, à laquelle il faut vraiment avoir, beaucoup d'intérêts, de souhaits de faire ça. Et je pense que quand on est enfant, on n'est pas si tranquille que ça. Ben moi, j'étais sage bon. Comme une image. Regardez, ma mère me l'a toujours dit. Je vais vous donner un exemple très simple, très, très simple. Aller dans les ateliers de peinture, comme nous, on en avait à Longueuil. Les cours pour enfants, compter le nombre de classes qu'il y a et compter le nombre d'enfants par classe. Et vous dites, bon, ben, y a sur tant de population, mettons dans un village, dans une ville, il y a tant d'enfants qui font de la peinture. Puis après, vous allez voir ceux qui jouent au football. Ah mon Dieu, il y a des pas ceux mal qui plus. Font du karaté, ceux qui font du judo, vous comprenez ce que je veux dire? Pour les filles, celles qui font de la danse aussi, bien, les filles font du football aussi. Alors, football en France, soccer au Québec, hein, soccer ici. Et là, vous allez voir que de suite, il va y avoir certainement une grosse différence, énorme. Mais ça dépend des goûts aussi. Alors, il y en a qui sont vraiment faits, des enfants, il y en a qui sont vraiment faits pour la peinture. Et nous, on les a vus, on les a connus, on les a côtoyés, c'est vraiment bon. Puis il y en avait beaucoup aussi. Oui, absolument. Là, je pensais que tu mets le calumet de paix. Ah non, j'ai. C'est long, le calumet de paix. C'est une petite caméra. Non, mais je te jure, le laisser. Bah, on peut essayer de fumer ça si vous voulez. Le même, là. Ouais. Tu vas rentrer des photos numériques là-dedans. Okay. Là, si ça sort par l'autre bout, 9, 2, 1. Hélène! Ah non, non! Hélène, tu manges une blague! C'est ça! On attise la curiosité des gens! Ah oui! Je pensais que c'était une pipe qu'on avait! Ouais, parce que là, j'ai la canne et la caméra au bout, mais ils pensaient que je fumais la caméra! C'est pour ça que j'ai les yeux qui brillent un peu. Alors, non, c'est ça que je disais, voilà, c'est ça. Donc, c'est sûr que... Mais moi aussi, je me pose la même question. Regardez, j'ai commencé la peinture... Ouais, t'as commencé tard, toi. En 1990, j'avais quel âge? Quand Jean Leloup, il chantait en 1990, hein? Mm-hmm. Ben, calcul. C'est la démocratisation. Ah, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans? Ben, j'avais comment? J'avais quel âge? J'avais 30 ans, j'avais 21? T'avais 31.
31, oui. Tu es jeune. On est en 2020, donc j'avais 31 ans quand j'ai commencé la peinture. Quand j'ai commencé, c'était un balbutiement, quelques coups de pinceau, puis c'était de l'aquarelle d'abord. Parce qu'à un moment donné, voilà, les oiseaux, taisez-vous. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu du temps. À un moment donné, parce qu'quand on est enfant, ça va, après ça, on a beaucoup l'école, les activités. Après ça, on devient ado, puis on vieillit un peu, puis les rencontres, on devient parent, les enfants nous occupent. Et puis à un moment donné, les enfants grandissent un peu. Voilà, on va se trouver un petit peu de temps, puis nos intérêts ont changé. C'est comme, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant d'ailleurs, quand j'étais au lycée, on avait des cours d'art, on avait un professeur d'art, des cours d'art, et on essayait de nous apprendre un petit peu des choses d'histoire de l'art. Mais j'en avais vraiment rien à faire de ça, ça ne m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Alors qu'aujourd'hui, l'histoire de l'art, j'en mange. Tu sais, j'adore ça, apprendre des choses sur les artistes, les anciens artistes. Ouais. Donc c'est vraiment nos centres d'intérêt qui sont différent par rapport à l'âge. Mais là, c'est pas mon, ça n'est pas mon métier. Je ne suis pas non plus un psychologue ou un pédopsychologue. Mais voilà, on pense que c'est ça. Oui, bien moi, je peux te dire, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup dessiner. Après, ça a arrêté. J'ai fondé ma famille avec 5 enfants. Là. J'étais pas mal occupée. Puis quand j'ai rencontré René, j'ai recommencé à dessiner, mais surtout à peindre. Ça fait 6 ans. C'est ça. Ça fait seulement 6 ans que je peins, On peut résumer. Avant, elle faisait du dessin. Après ça, elle était sans dessin. Hey! Puis après, elle est redevenue avec du dessin. Alors, sans dessin, c'est une expression québécoise. Oui, sans dessin, ça veut dire que t'es stupide. Oui, c'est ça. Ça veut dire que t'es stupide. Ah, un héron. Ah! Non, c'est une... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est, cet oiseau-là? Il tient quelque chose dans le bec. Oui, c'est un héron. Héron. Un héron qui s'en va dans le lac. Ah, il est beau, hein? Il est juste derrière nous là-bas, mais la caméra, elle ne zoome pas assez, là. OK, on continue avec Nathalie Chouré. Elle aussi, c'est une astuce pour rendre vos peintures plus réalistes. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir comment ou ce qu'on prend comme couleur pour faire réaliste. Oui, mais là, je n'ai pas compris la phrase. Oui. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir comment ou ce qu'on prend comme couleur pour faire réaliste. Dans l'astuce de rendre vos peintures plus réalistes. Ça veut dire que je comprends. Quand j'ai fait la vidéo astuce pour rendre vos peintures plus réalistes, on parlait là du dessin pour avoir des sujets plus en 3 dimensions et surtout avec des proportions exactes. Voilà, ça, parce qu'on a des proportions exactes et parce que notre sujet a un effet 3 dimensions, tridimensionnel plus vrai, le tableau va avoir l'air plus réaliste. On parlait de ça. On ne parlait pas des couleurs. On en parlera des couleurs dans d'autres vidéos du mercredi, parce que les autres vidéos du mercredi qui vont suivre, ça va être vraiment des exercices pour améliorer le réalisme de vos peintures et améliorer aussi d'une manière générale, parce que vous allez voir, à un moment donné, on fait de l'abstrait aussi. Donc, de manière générale, votre façon de peindre, le mélange des couleurs, tout ça. Donc voilà, on va en parler des couleurs, on va y venir dans d'autres vidéos. On continue avec Franck Mouly. Salut Franck. Peut-on peindre un motif à l'acrylique et finir à l'huile? Tu me donnes les avantages et les inconvénients. Oui, absolument. Ben, je l'ai fait assez souvent. Il y en a plusieurs qui font ça aussi. La première couche, je la fais en acrylique, ça sèche plus vite. C'est-à-dire que maintenant, tout de suite, là, je fais un tableau première couche en acrylique. Dès que c'est sec, 5 minutes après, je commence à faire ma deuxième couche à l'huile. Je viens de gagner une semaine de temps par rapport au fait que si j'avais peint uniquement à l'huile. Mm-hmm. Donc oui, ça se fait. Il y a pas mal de gens qui font ça maintenant. Il y a certains puristes de la peinture à l'huile qui vont vous dire « Oui, mais moi j'ai peur que la peinture à l'huile, après, se décolle de l'acrylique. » Moi, je l'ai entendu de la bouche d'artistes peintres. Non, c'est la peinture à l'huile peut aller sur l'acrylique, c'est sans aucun problème. Ça se dit, ça s'est écrit pas mal partout. Et puisque l'acrylique n'est pas grasse non plus, la peinture à l'huile adhère, on le sait, assez facilement sur bien des supports. OK. On continue avec Diop Abou. Je suis styliste, modéliste et je peins directement sur vêtements. J'aimerais me perfectionner pour la peinture. Quels seraient tes conseils? La peinture directement sur les vêtements, c'est sûr que vous allez certainement... utiliser des produits spécifiques à la peinture sur tissu qui vont avoir certainement des qualités, des caractéristiques spécifiques au niveau des mélanges, des dégradés, des fondus.
des opacités aussi, que je ne connais pas. Je ne pourrais pas vous donner bien des conseils, moi, dans ce sens-là. Sinon, ben, prenez vos produits et puis essayez de trouver pour ces produits-là comment ça fonctionne, comment ça marche, surtout c'est au niveau des fondus, des dégradés de couleurs, si vous voulez en faire. Est-ce que ça se fait? Est-ce que vous allez trouver peut-être même des cours là-dedans, dans ces produits-là? Parce que je suppose que vous n'allez pas peindre sur du tissu, du vêtement, avec de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique normale. Non. Ça va prendre sûrement des peintures à tissu, qui sont certainement, je pense, plus transparentes. Et donc, le tissu va absorber ce produit-là. Donc, moi, je pense que vous devriez d'abord, pour vous former, vous renseigner surtout sur l'utilisation de ces produits, comment s'en servir. Puis après ça, comme pour tout le reste, c'est du dessin, des harmonies colorées. Et puis, la composition, une fois que vous avez ces éléments que vous les maîtrisez, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour réaliser des belles choses, même sur du tissu comme ça, oui. Mm-hmm. OK, on continue avec Ghislaine Labbé. Question. Concernant le vernissage de tableau, à date, je mets du vernis en arrière-sol, mais j'aimerais mettre un vernis définitif au pinceau avec un spalter. Oui. Pourriez-vous nous donner une démonstration de comment vernir un tableau de cette manière? Oui, je pourrais. C'est sûr, dans la formation, j'ai des cours où je montre comment vernir avec le pinceau, justement. Oui, je pourrais le faire à un moment donné, mais c'est sûr que là, on s'en va vers d'autres choses que je ne pourrais pas le faire tout de suite. Là. Ça va aller au minimum novembre, décembre. Je ne pourrais pas le faire avant parce que je suis sur une série de vidéos YouTube qui sont en partie déjà tournées puisque les montages sont faits par quelqu'un d'autre maintenant, donc ça prend du temps. J'ai 6 vidéos tournées d'avance qui sont rendues au montage pour les 6 mercredis à venir, vous voyez. Donc ça va aller loin. Et puis là, on s'en va, et moi en Gaspésie, je ne pourrais pas faire du vernis dans une chambre d'hôtel, certain. Donc ça va aller loin. Mais oui, je pourrais le faire, vous montrer comment on vernit avec un spalter, oui. Oh, okay. Oui, ça se fait très très bien. OK, on continue avec Julie Ponky. Mes parents avaient acheté. Oh, je m'avais promis de ne pas bailler. Je ne baillerai pas. Ah, mais c'est bien, hein? Je suis moins pire que la dernière fois. Non, madame, on ne fume pas la pipe. Non. Non. Non, non, ni la chicha. Mes parents avaient acheté une toile en République dominicaine. Je pense que c'était de l'acrylique. Oui. Ils l'ont laissé la toile 10 ans enroulée à la cave. Et durant le confinement, ils ont voulu l'encadrer. Sauf que la toile est toute craquelée de partout. Ils m'ont demandé si je saurais comment la restaurer, mais je ne sais pas. Je leur ai dit que selon moi, elle est bonne à jeter. Si vous avez des astuces pour réparer une toile très craquelée, je suis preneuse. Sinon, ce n'est pas grave. Je leur ferai une toile de leur choix en remplacement. Merci à vous. Elle est très, très craquelée, oui. Ça se peut que le tableau ait été peint avec des matériaux, on va dire aussi non conventionnels, hein. Vous savez, c'est en Haïti, c'est ça? En République dominicaine. République dominicaine, bon, oui, okay. Ben, c'est à côté. c'est sur la même île. Ça a été peint avec quoi? Avec de la peinture à l'huile, à l'acrylique, avec des pigments ramassés par terre, de la terre. Et puis, on ne sait pas comment c'est fait. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a craqué comme ça aussi. Alors, ce que vous pourriez faire, je vous le dis tout de suite, non, on ne pourra pas corriger le tableau qui redevienne un tableau normal. Mais éventuellement, il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire. Supposons que vous puissiez mettre cette toile-là craquelée à plat, bien à plat, sous une quantité de poids pour la rendre vraiment extrêmement plate pendant un certain temps. C'est craquelé, mais c'est tout plat. Après ça, lui donner de la solidité simplement en appliquant peut-être une couche d'époxy. Vous voyez ? Oui, vous allez vous retrouver avec cette œuvre-là qui sera en arrière de la résine époxy qui va maintenir tous les morceaux. Donc, il n'y aura aucun problème. Ça va vraiment être solide et vous pourrez à nouveau l'encadrer et ça va donner cette impression-là d'un tableau craqué sous de l'époxy. Ça peut être intéressant. Ça peut donner charme à une œuvre d'art. Alors, on a vu beaucoup. Quand on était au Louvre, là, on a vu beaucoup qui étaient craquelés. Oui, ils étaient sous des vitres. Par contre, il y en a beaucoup, oui, sous de la vitre. Mais ça dépend comment sont épaisses les craquelures. Ouais, mais vous voyez, c'est un exemple que je peux vous donner pour dire, bon, ben voilà, on a sauvé la toile, mais ça fait une autre œuvre. C'est quelque chose de différent, mais elle est encore là. Bien entendu, rien ne vous empêche aussi de la reproduire, si vous voulez, la retrouver à son état original. Le mieux, c'est peut-être de la reproduire.
OK. Là, on finit avec Inila Amb. Coucou René Linda, toujours impatiente de vous retrouver. Vous formez une belle harmonie colorée. Ben oui, regardez. Oui, on fait attention à ça maintenant. Les trois couleurs primaires. Ah oui, il y a la chaise rouge, la chaise bleue. Non, oui, c'est ça. Puis jaune. Jaune, bleu, ben oui. Okay. On est dans les couleurs d'IKEA. Elle dit, Harmonie colorée, hâte de découvrir la Gaspésie avec vous. Ça, c'est bientôt. Oui. Question. Pour protéger une œuvre au pastel à l'huile, j'ai vu le fixatif d'Artigny de Sennelier. Oui. Doit-on attendre pour l'appliquer comme pour un tableau à l'huile? Elle dit, j'ai utilisé des pastels Sakura expressionnistes et des Sennelier qui sont plus crémeux et mon œuvre colle un peu par endroits. Oui, ben oui, le pastel à l'huile, si on touche, même quand c'est fini, ça reste toujours collant parce qu'il n'y a pas de séchage, ça ne sèche pas. Mais alors oui, vous pouvez appliquer ce fixatif qui est vraiment fait pour le pastel à l'huile. Vous pouvez l'appliquer tout de suite. Il ne faut pas attendre que ça ne sèche pas le pastel à l'huile. Mais attention, ce vernis, vous devez l'appliquer, je pense, au moins en 3 couches. OK, 3 couches pour que votre œuvre soit vraiment véritablement protégée. Il n'y a plus rien qui va se passer dessus. Et ça va permettre effectivement de... Tu sais, si vous l'encadrez, si vous mettez une superposition de pastel à l'huile dans un carnet ou autre, là, ça va vraiment l'empêcher de coller à la feuille supérieure sans que ça se détériore. C'est vraiment pour le protéger. C'est vraiment efficace, j'ai vu ça. Je n'en ai jamais acheté, jamais utilisé, mais j'ai vu que c'est vraiment... j'ai vu des gens s'en servir, c'est très efficace. C'est très, très bon comme fixatif. C'est vraiment fait uniquement pour le pastel à l'huile, parce qu'il y a des fixatifs, il y a marqué pour le fusain, pour le pastel sec, pour le crayon. Ils ont plusieurs utilisations, mais celui-là est uniquement pour le pastel à l'huile. Et dans une prochaine commande, c'est sûr que je vais en commander, parce que maintenant, j'ai commencé à faire un petit peu des cours de pastel à l'huile aussi dans la formation. Moi, j'aime beaucoup ça. On en faisait beaucoup avec les enfants au camp de jour avant, là. Puis là, on a comme arrêté d'en faire. Pourtant, c'est vraiment bien de toucher un petit peu à tous les médiums. Hein. J'aime mieux, moi, l'huile que sec. Que sec? Oh, oui. Ouais. Okay. Mais là, sec, c'est bien aussi parce que tu peux fondre plus tes couleurs. Mais attention, on n'a pas encore utilisé le papier spécial, le pastel mat pour le pastel sec. On en a, j'en ai acheté, mais il va falloir que je m'en serve. Gros manque de temps. J'ai hâte de l'utiliser. Je ne l'ai jamais utilisé. Je pense que ça fait au moins 2 ans que ça existe, ce papier-là. Puis, je n'ai jamais utilisé ça. D'ailleurs, j'avais acheté du ground de Gamblin pour faire des fonds de toile pour la peinture à l'huile. Ça fait plus d'un an que j'avais acheté ça. Et je m'en suis servi là, la semaine passée pour faire un tournage. Et là, j'ai ouvert mon pot. À moitié, le pot était tout sec. Il a fallu que je jette tout ça à la poubelle, que je me serve que tout ce qui est en dessous. Fait que c'est ça, quand on manque de temps, c'est ça qui arrive. Eh oui. Oui. Vous savez quoi? Mon mari, il aurait dû faire humoriste aussi. Oh mon Dieu, parfois là, c'est sa manière d'être là. Le rire, c'est le propre de l'homme. Ah oui, le rire ne tue pas. Non, c'est ça, mais ça fait du bien, franchement, ouais. Ça fait du bien. C'est peut-être pour ça qu'on paraît plus jeune, tu sais, oui, le rire, oui. On rit tellement, moi je ris tout le temps là. C'est bon pour la santé. Je me ris, je me ris quand je me lève, je me ris quand je me couche. Nous rions ensemble. Ah oui. Ah, ouais. On est-tu bien ici? Oh, oui. Ah mon Dieu. La vie est belle, faut dire ça. Vous entendez les petits oiseaux? Peut-être pas, parce qu'on a les micros ici et on n'entend pas trop les bruits alentours, heureusement, j'espère. Alors, c'est tout pour les questions aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. On va essayer de vous en faire une autre vendredi ou samedi, on verra. Là. On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Mercredi, donc ça va, vu qu'on est loin, le temps qu'on rentre chez nous et tout, sûrement dans la nuit, ça va être sur YouTube. Ah, ça va être pour demain, ça. Ça va être pour demain. Demain, c'est jeudi, vendredi. Non, on va sûrement en faire une plutôt début de semaine prochaine. Là. Oui, mais vendredi, samedi, on en fait une pour lundi. Ah, on va le faire pour lundi. Oui, c'est parce que là, on a beaucoup de questions. Okay. On a beaucoup de questions. Oh, beaucoup. Oui, moi, je veux, chérie, toutes leur donner, qu'on leur réponde toutes. On va tout vous donner. Tout. C'est ça notre qualité, c'est qu'on donne beaucoup. Hein, c'est vrai, on donne beaucoup. On donne beaucoup d'amour, on donne beaucoup de sourires. Et on parle beaucoup. Oui, puis on est des humoristes, on est des comiques. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce qu'on est bien. Non, oui, on est bien avec vous. Mm-hmm. Parce que c'est vous qui nous avez entraînés dans cette aventure-là. Ouais. Vous qui nous avez amenés à faire ces vidéos-là, puis à répondre à vos questions, mais de cette manière-là. Oui, puis parce c'est qu'on le public. On pourrait être assis dans un bureau, costume, cravate,
c'est être strict dans tout ce qu'on fait. Non, on est naturel. Du démarrage de la caméra jusqu'à ce que la caméra arrête, puis après on se lève et puis on est en bobette. Non, mais tu sais, quelqu'un... Les bobettes, c'est quoi les bobettes? C'est des culottes. Les Français, c'est ça, caleçons, des culottes. Des caleçons, culottes. Tu sais, quand tu vas voir un humoriste, qu'est-ce qui fait la popularité de l'humoriste? C'est le public. Absolument, ben c'est oui. C'est ça. C'est comme nous. Vous êtes notre public, vous nous aimez, vous nous encouragez, et nous, on vous redonne. Qu'est-ce que vous nous donnez? Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là non on plus. On serait pas là non plus. On serait là, mais pas là. Là, là. On serait là, là. Puis pas là. C'est ça. Polo. Parce qu'il y a un humoriste qui dit ça. Ah, c'est ça? C'est Louis-José Hood. Oui, Lolo, mais Polo. C'est dans un film, oui. Mais ouais. Enfin, on serait là ici dans le parc, on pourrait profiter du parc. Mais on profite avec vous. Là, on vous en fait profiter aussi. Oui. C'est bon? Oui. Fait qu'on vous fait coucou et on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo. Et passez une belle fin de semaine. Oui. La fin de semaine va arriver bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous. On tient à vous. Bye-bye. Bye-bye.